Bonsoir à tous. Ce soir, on marque l'aboutissement de 150 ans d'histoire et c'est une occasion unique de fêter la nouvelle année ensemble d'un océan à l'autre. On a beaucoup à célébrer cette année, surtout notre 150e anniversaire, mais avant de laisser 2016 derrière nous, je veux vous remercier. Au cours de la dernière année, on a accompli énormément de choses ensemble. Nous avons mis plus d'argent dans les poches des familles de la classe moyenne et nous avons conclu une entente historique pour qu'un plus grand nombre de Canadiens puissent prendre leur retraite dans la dignité. Nous avons redonné au Canada un rôle de premier plan dans la lutte contre les changements climatiques et nous avons mis en place un plan pour protéger l'air et les océans pour les générations à venir. Nous avons déclaré que les droits des transgenres sont des droits de la personne au même titre que les autres, et nous avons fait adopter une loi pour protéger l'identité sexuelle. De plus, nous avons signé l'un des accords de libre-échange les plus progressistes de l'histoire, qui bénéficiera à la classe moyenne et à ceux qui travaillent fort pour en faire partie. Pour la première fois dans l'histoire du Canada, un juge de Terre-Neuve-et-Labrador, et bilingue en plus, siège à notre plus haut tribunal, et une Canadienne extraordinaire figurera bientôt sur notre billet de 10 Tous ces progrès ont été réalisés à cause de vous, donc je vous dis merci. Mais on a encore beaucoup de travail à faire. Lorsque nous célébrons le 150e anniversaire du Canada, nous célébrons aussi les générations de Canadiens qui ont toujours cherché un terrain d'entente pour que nous puissions ensemble partager un avenir meilleur. Depuis 150 ans, le Canada est une histoire à succès, mais c'est seulement en poursuivant notre travail acharné que les choses continueront comme cela. En tant que Premier ministre, je m'opposerai toujours contre les politiques de peur et de division et je me concentrerai sur ce qui nous rassemble. Voilà la résolution du Nouvel An que je prends devant vous. Mais le gouvernement seul ne peut pas résoudre tous les problèmes. Je demande donc aux Canadiens d'en faire plus et je sais que vous répondrez à l'appel. Ensemble, je suis certain que nous continuerons à bâtir le pays diversifié et prospère dans lequel nous sommes si fiers de vivre. Canada, faisons de cette année qui vient notre année. Je vous souhaite une très belle soirée et on se revoit en 2017.